Donc, nous sommes là cet après-midi pour décerner le prix de la meilleure thèse en sciences de gestion, édition 2018. C'est un prix qui récompense la meilleure production scientifique réalisée par les doctorants des sciences de gestion au Sénégal dans l'année 2018 et qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur au Sénégal reconnu par l'État. Pourquoi ce prix? Nous avons pensé qu'il était important aujourd'hui de démontrer la qualité des travaux que nous faisons dans nos laboratoires. L'Afrique de manière générale et le Sénégal en particulier est réputé être un environnement où nous ne produisons pas suffisamment de connaissances scientifiques. Ce qui n'est pas forcément vrai. Les chercheurs produisent pour avancer dans leur carrière, mais ne valorisent pas cela. Donc, pour nous, au niveau de l'association sénégalaise des institutions, il était important de démontrer à la face du monde qu'il y a des travaux de qualité qui sont effectués dans nos laboratoires et qu'il fallait montrer la portée de cela. Et c'est ce qui motive aujourd'hui le fait de décerner pour la première fois au Sénégal le prix de la meilleure thèse en sciences de gestion. Aujourd'hui, nous avons eu 3 finalistes qui ont chacun réalisé un travail de recherche d'une excellente portée. Il fallait en choisir un. M. Mohamed Guémé a été choisi pour la qualité de ses travaux, comme je le disais tantôt, mais surtout pour sa capacité à valoriser ses travaux. C'est quelqu'un qui a réalisé des publications dans des revues internationales au Canada, en France et ailleurs pour démontrer qu'il y a des recherches importantes qui sont effectuées dans le contexte sénégalais, dans le contexte africain. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir quelqu'un comme lui qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui, être primé pour la première occasion du prix de la meilleure thèse en sciences de gestion au Sénégal. Du prix de la meilleure thèse, excusez-moi, quels sont les critères? Ensemble des critères, c'est la qualité scientifique du travail. Parce que avant de parler d'autres critères, il fallait que les lauréats puissent réaliser sur le plan scientifique un travail de grande qualité. Qu'est-ce qu'un travail de grande qualité en science? C'est porter sur un sujet important qui puisse améliorer le vécu des organisations en Afrique, au Sénégal en particulier. C'est de savoir mobiliser la littérature scientifique et synthétiser cela de sorte à pouvoir identifier un problème important. C'est également de pouvoir utiliser les outils de méthodologie qui permettent d'aboutir à des résultats fiables, à des résultats valides et qui soient communicables. C'est d'abord cela, le travail scientifique. En dehors de ce travail scientifique, il y a un travail de valorisation. On valorise le travail scientifique à travers les publications ou les communications que nous faisons au niveau des colloques et des congrès au niveau national et international. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère était la portée managériale des contributions de la recherche. Est-ce que la recherche aide les entreprises, aide les organisations à améliorer leur vécu? Ce sont sur ces 3 critères-là que nous avons eu à sélectionner les meilleures thèses et à désigner le prix de la meilleure thèse en sciences de gestion.